tout cas, en vrai. J'ai fait ce que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Amen. Voilà, mon frère. Comment vous êtes? Ah, ça va? Que le Seigneur vous bénisse. 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 Amen. On a voulu venir tôt, mais dans ce vos routes là, il y a toujours les embouteillages. Je dis, mais à minuit, il y a les embouteillages. À minuit, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, ils ne voulaient pas qu'on vienne. C'est ça. Mais ils ont menti. Mais nous remercions le Seigneur pour la pluie qu'il a fait donner afin qu'on puisse avoir la fraîcheur. C'est bon, non? Vous allez bien? Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Que le Seigneur vous bénisse, 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 que le Seigneur vous bénisse. Dis à quelqu'un, bienvenue dans ta sainte présence. Bienvenue dans ta sainte présence. Encore. Bienvenue dans ta sainte présence. Encore. Bienvenue dans ta sainte présence. Encore. 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 Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Non, ça va, ça va. Que le Seigneur vous bénisse, t'inquiète pas, mon frère. Ça va. Asseyons-nous, 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 asseyons-nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue, dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Il y a un peu le sable là. Permettez que. Pendant que vous asseyez, asseyez-vous, apprenez. Si vous sentez le sable, vous me dites seulement. Vous sentez le sable sur vos pieds là. Hein? Vous êtes les saints parfaits, il ne faut pas que vos pieds prétinent le sable. Vous sentez le sable, vous. Vous sentez le sable. Essayez d'essuyer. Il ne faudrait pas que quelque chose vous déconcentre pendant toute la soirée. Alors, pour ceux qui me voient pour la première fois, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées. C'est bon là, ici il y a le sable ici. Il y en a ici. J'essaie de suer. Vous voyez ça? Il y en a. Ok. Je peux envoyer dire maintenant. Oui, pas de soucis, mon frère. Très bien. Alors, veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Initialement, il était question qu'on essaie de causer avec le conducteur. Mais souvenez-vous encore, une fois de plus, je reviendrai encore ici pour une troisième fois. Et cette fois-ci, quand il va venir, on va vous visiter. Je vais vous visiter maison après maison. Même si vous êtes n'importe où. Amen. On va aller. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On a des ateliers. On va prier ce soir-ci. On va prier. Selon que le Seigneur va diriger, on va prendre des vidéos et autres. Mais il y a quelque chose que je souhaiterais qu'on fasse maintenant, d'accord? Avant qu'on fasse n'importe quoi. Je veux qu'on baisse la tête, on prie. On remercie le Seigneur pour ses hauts faits. D'accord? Remercions le Père. 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 Tendre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour la vie. Merci pour ton esprit. Merci, roi des rois. Merci pour ce que tu fais pour nous.
Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Merci pour ma vie. Merci pour ma famille. Merci pour Abidjan. Merci pour ce glorieux pays. Merci pour ton choix dans cette nation. Merci roi des rois pour tout ce que tu fais. Seigneur, que ton nom soit élevé. Ton nom soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc on va commencer par une exhortation, d'accord? Asseyons-nous, prenons les Saintes Écritures. Et on va prier. Si vous êtes en train d'enregistrer, ce serait bien de mettre votre téléphone quelque part là, pour que ça ne vous déconcentre pas. Et si vous avez des réveils que vous avez programmés, faites attention parce que d'ici 4, 5, ça va sonner. Donc vous désactivez les alarmes. Pour désactiver les alarmes, pour qu'on puisse bien travailler. Donc, ce que nous avons en main, c'est nous avons l'orientation que le Saint-Esprit nous a donnée. Nous allons prier pour enchaîner l'esprit, principalement de l'homosexualité sur ces pays-ci, cette nation-ci. Parce que c'est avec ça que les puissances des ténèbres utilisent pour dominer sur le pays et amener le propre et la colère sur le pays. D'accord? Et ne vous inquiétez pas, on va prier par la suite, on va prier. Pour ceux qui ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, le moment est là, on a toute la journée. C'est un moment merveilleux maintenant où il n'y a pas de difficulté pour recevoir le Saint-Esprit. D'accord? Alors, hier, pendant que nous parlions, nous avons lu des passages et puis je vous ai demandé d'ouvrir le livre de Philippiens au chapitre 2. Nous avons commencé à travailler, nous avons lu au verset 10. Où on a commencé à expliquer par rapport au nouveau par rapport aux technologies. Il y a ton truc qui est allumé là, très bien. Nous avons partagé par rapport aux nouvelles technologies, enfin à la technologie que Satan a de faire dans le monde de ténèbres pour pouvoir subjuguer les gens. Nous avons vu cela. Et je vous avais demandé de rester particulièrement dans ce livre de Philippiens au chapitre 2. Mais quand le Saint-Esprit m'a arrêté là-bas, j'ai vu qu'il ne voudrait pas que le peuple absorbe beaucoup. Donc, il veut que je commence là-bas exactement parce qu'il y a quelque chose de pertinent qui veut que nous saisissions, d'accord? Donc, rentrons dans le livre de Philippiens, chapitre 2. On va lire un passage là-bas et on va commencer à partir de là. Dès qu'on va finir de lire, je vais donner l'exhortation qu'il veut que je vous donne. Puis, je vais vous laisser maintenant poser vos questions, d'accord? Amen. Parce que quand j'étais à genoux, il a dit que nourris-les d'abord. Amen. Amen. Il faut que vous mangiez, d'accord? Donc, dans Philippiens, chapitre 2... Tu peux avoir, mon frère? Ok. Ça, c'est la version d'Abi, ça. Osteval. Lis-nous le verset 21 du chapitre 2. Car. Il ne voit pas. Lis-nous ça, mon frère. Car tous cherchent leur propre intérêt. Oui. Et non ceux de Jésus-Christ. Donc, c'est sur cela que le Saint-Esprit veut que je partage. Mon grand frère, l'apôtre Paul dit ici que car tous cherchent. Cherche quoi? Le propre intérêt. Et non ceux de Jésus-Christ. La question est simple. Quand on est chez Jésus, là, on cherche quoi concrètement? Chacun doit répondre à la question. C'est-à-dire que ce qu'on vient là, quand on est rassemblé, ta vie en tant que chrétien, qu'est-ce que tu cherches? Ça doit être répondu. Il y a des gens qui ont pris maintenant la Bible comme source pour pouvoir avoir de l'argent. D'autres qui ouvrent les églises parce qu'ils veulent avoir des fidèles pour avoir de l'argent. Et vous voyez que bien qu'ils vont parler de Jésus, ils vont présenter le Seigneur Jésus en amont sur le fond du commerce. Si vous regardez les versets plus haut, à partir du verset 18, avant d'arriver là-bas, la façon que l'apôtre Paul amorce ici en prenant ce verset 21, si ça prend à contre-pied ce que les deux trois premiers versets disent. Parce qu'en fin de compte, il semble être en prison et il est en train de parler à quelqu'un de prendre les renseignements par rapport à telle chose, pas pour Jésus,
Mais pour lui qui est en prison, il dit que cette personne-ci semble s'inquiéter de la situation d'autres personnes. Il dit qu'il n'y a personne ici à côté de moi qui prend en cœur votre état. Lui, il est en prison. Et regardez bien, l'apôtre Paul est en prison. Il est en train d'écrire. Et il dit, bon, prenez la partie du verset 18 pour que vous compreniez. Il ne faut pas qu'on dise que c'est moi qui l'opère. Qui va lire? Vous aussi, oui. De même, ayez de la joie et vous réjouissez avec moi. Or, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin que j'aie bon courage en apprenant votre état. Écoutez, c'est quelqu'un qui est en prison. Lui s'inquiète plutôt des états de ceux qui ne sont pas en prison. Pensez-y là maintenant. C'est quelqu'un qui est constamment en mer, constamment dans les problèmes. Parce que c'est un homme parlable. On l'attrape, on le fouette, on le met en prison. Il est en prison, il est en décrit. Il dit qu'il va envoyer Timothée pour prendre votre état. Il ne dit pas que vous venez vous dire comment je souffre en prison. Vous comprenez la chose. Oui, continuons. Car je n'ai personne qui soit si bien d'accord avec moi, oui, pour se soucier vraiment de ce qui vous concerne. Normalement, en tant que prisonnier, il devait plutôt se plaindre que je n'ai personne avec moi qui se soucie de mon état. Il dit de votre état. C'est-à-dire, quand il est dans la difficulté, il se dit vraiment que Abidjan, qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Est-ce que les frères se portent bien? Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Voici quelqu'un en qui Christ vit véritablement. Amen. C'est cette personne qui peut prendre l'état de quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu vis et que Christ vit en toi, ta vie ne sert plus à rien. Tu t'inquiètes plutôt de la situation de ceux qui ne sont pas en Christ. Amen. De ceux qui sont en Christ et que le vent peut amener à tout moment pour qu'ils soient stables comme toi tu es stable. Amen. C'est pour ça que je t'en ai dit ce verset 21, il prend à contre-pied tout ce qu'il en a dit en haut. Et maintenant, ça introduit véritablement la notion de quelqu'un qui aime Christ et qui a été saisi par Christ, dit Jésus. Car tous cherchent leur propre intérêt et non ceux de Christ. Donc, vous remarquez donc la manière de chercher l'intérêt de Christ. La manière, d'après, si on regarde depuis l'incrémentation qu'il a commencé en haut, parce quand il dit ici « car », c'est une conclusion par rapport à ce qu'il vient de dire. La manière dont il introduit dans ceci, il dit « normalement, s'inquiéter des choses de Christ, les intérêts de Christ, parce que l'intérêt de Christ, c'est parce qu'il a investi de sa vie, de son sang pour le salut des hommes sur la terre. Et donc, s'atteler à s'occuper des âmes sur la terre, c'est l'intérêt du Christ. » L'intérêt de Christ sur la terre, ce n'est pas de construire les orphelinats. L'intérêt de Christ sur la terre, ce n'est pas pour construire les écoles pour que les gens fréquentent bien. L'intérêt de Christ sur la terre, ce n'est pas que les gens deviennent présidents de la République. C'est que les âmes, parce que quand il descendait du ciel pour venir ici, pour aller à la croix, le Seigneur lui a donné une liste, que ramène-moi ces gens-ci. Voilà la mission du Seigneur Jésus. À la croix, quand il dit, j'ai accompli la course, j'ai achevé ce qu'il avait à donner, tout est accompli. Ça suppose qu'il est parfaitement mort, parfaitement payé le prix pour chacune de ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je n'ai perdu aucun d'elles, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Donc, il a payé parfaitement pour ses brebis. Il y a plusieurs autres brebis qui ne sont pas de cette berger. Celles-là, il faut que je les amène. Vous comprenez bien la mission. La mission, c'est qu'il fasse venir tout le peuple que le Seigneur s'est choisi. Et donc, c'est cette mission-là qui commissionne à ses serviteurs sur la terre d'aller faire. Je veux que vous compreniez bien ceci. C'est pour ça que Paul, l'apôtre, malgré qu'il soit dans la chaîne, devant Festus, on l'arrête. Il dit que, Paul, avec ton grand, ça va te faire déraisonner. Tu vas bientôt me convaincre de devenir chrétien. Il dit que, soit, que ce soit pour chacune personne, sauf cette chaîne-ci. Parce que la mission, c'est ça. Que vous devenez en Christ, que vous venez en Christ, sauf la chaîne. Parce qu'en fin de compte, la condamnation et les méthodes que Dieu a utilisé pour Christ, pour l'apôtre Paul, c'est parce que c'est ce qu'il utilisait pour condamner les chrétiens. Dieu a dit que tu vas souffrir la même chose cette fois-ci pour moi. C'est pour ça que dans son ministère, attaché à la souffrance. C'est pas pour dire que tous les apôtres doivent souffrir comme lui. C'est parce que lui, il avait pour mission pour Satan, pour persécuter les chrétiens. Dieu a dit qu'on va te persécuter pour mon nom. C'est pour ça qu'il a dit, je vais lui montrer pourquoi il va souffrir pour mon nom. C'est ce qui est attaché à son appel. C'est pas attaché à tous les appels de tous les apôtres. Très bien. Vous avez compris? Amen. Voilà. Donc, ne pensez pas que quand vous allez entrer, vous êtes apôtre, vous devez souffrir comme l'apôtre Paul. Il avait une mission de souffrance pour l'église parce que c'est un architecte qui devait aider le Seigneur Jésus à construire son église. Et par conséquent, il devait recevoir tous les coups comme le Seigneur Jésus. Comme il a pris ça, ce n'est pas nécessaire pour tous les apôtres de passer par là. Mais le point essentiel, c'est ceci. Ayant le cœur du Seigneur Jésus, ayant compris le plan du Seigneur Jésus, il doit transmettre ces choses fidèlement de telle enseigne que quand les gens prennent à cœur les choses du Seigneur, qu'ils comprennent véritablement quel est l'intérêt du ciel.
L'intérêt du ciel sur la terre, ce n'est pas que les gens soient bien. L'intérêt du Seigneur dans le ciel, ce n'est pas que les gens soient bien de façon physique sur la terre. Non, 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 non. Dieu s'intéresse à notre âme plus que notre santé. Il s'intéresse à notre âme, au salut de notre âme, plus que ta réussite à l'école, plus que ton bien-être avec ta famille, plus que ta relation de stabilité entre ton père et ta mère. Non, 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 non. Il s'intéresse beaucoup plus. Parce qu'il a dit qu'il est venu mettre une division entre l'homme et sa femme, entre la belle-fille et sa belle-mère. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que cette division, si peut être avoir lieu sur la terre, si ton âme est reconciliée avec Dieu, la mission est complète. Amen. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que rien, votre harmonie sur la terre ne doit pas être conditionnée par ce que Christ a fait à la croix. Parce qu'il a fait quelque chose à la croix qui dépasse tout ce que l'homme peut faire sur la terre. Vous pouvez donc vivre en harmonie avec le Seigneur en étant désorganisé sur la terre, en étant perdu sur la terre selon les normes humaines. Que sur la terre, ton père ne t'entend plus, on t'a rejeté comme famille. Il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Donc ça veut dire que si vous avez des gens dans votre famille qui ne comprennent pas, mais pourvu que vous soyez réconciliés à Christ Jésus. Amen. Voilà l'ultime. Alors, Paul, mon grand frère, dit ici dans ce verset 21, car il n'y a personne ici qui prenne, que chacun cherche son propre intérêt et non à ceux de Christ. Et la question que le Saint-Esprit nous pose ce soir, c'est que, est-ce que nous cherchons les intérêts de Christ ou bien nous venons en Christ pour notre propre intérêt? Maintenant, la réflexion nous pousse à un autre niveau. Depuis quand nous nous disons que nous sommes en Christ? Et donc, si nous sommes en Christ, ça veut dire que Dieu automatiquement a investi sur nous. Il a investi quelque chose en nous. Il a investi quelque chose sur nous. Donc, il compte sur nous pour la propagation et la répétition. C'est-à-dire que quoi? La multiplication de l'objectif de son royaume. Ça veut dire qu'on a été sauvé pour sauver. Amen. Oui. On arrive. Donc, garde ça, ne rate pas, parce qu'il ne faut pas qu'il dise que tu as oublié. Alors, ça veut dire que ce frère-ci, vous avez lu Luc chapitre 19, où le Seigneur dit que le royaume des cieux est semblable à un maître, un homme qui il est parti pour être investi de la royauté. Et en partant, il donne à un 10, à l'autre 10. Où y a la pensée? Et il dit, quand il donne ça, il y a une mission qui est donnée. Il dit, faites-les valoir. Voilà la mission. Il n'y a pas de chrétiens sans don. Et quand on parle ici de don, ce n'est pas le don spirituel. Il n'y a pas de chrétiens sans capacité. Parce que Christ vit dans tous ceux chez qui il a investi. Il fait tout et tout pour posséder leur âme, pour que leur âme lui serve de catalyseur pour manifester son royaume sur la terre. Et dans cette catalysation de son âme se trouvent les capacités investies par Christ Jésus. C'est ça le talent. Il s'attend à ce que ça soit donc investi dans les vies des gens. Vous allez donc voir, vous allez parler de Christ à quelqu'un. Et de ce jour, la personne vient plusieurs années plus tard que c'est ce que tu avais parlé qui a changé ma vie. Ça a fait un déclic en moi. Et toi-même, tu es surpris. Mais qu'est-ce que j'ai même dit d'important? Il n'est pas question de ce que tu vas penser d'important. Il faut juste laisser Christ passer et faire son véhicule en toi. Nous sommes donc le véhicule de Christ pour conduire des gens à bon port. Donc pensez-y maintenant. Il fallait que je relâche ceci, que ces choses sortent de moi. Pensez que, et vous devez y réfléchir en posant les questions, depuis que je suis en Christ, depuis que je dis que je suis en Christ, qu'ai-je fait pour l'intérêt du Seigneur? Tout vient parce que vous entendez quelqu'un dire que je viens comme ça à Christ. Et c'est ça qui a amené ces mauvais évangiles qu'on a sur la terre. Venez, Jésus-Christ guérit et sauve. S'il vient, il n'y a pas de guérison, il fuit. Parce qu'on lui avait promis que Jésus guérit et sauve. Il faut dire aux gens que ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait au-delà de la guérison. La guérison, toutes ces choses-là, les bontés, les grâces abondantes, et toutes ces choses-là, sont les choses qui sont supra. Ce sont les substituts, ce sont les ramifications de ce qui a été fait à la croix. Ce sont les bonus, quoi. Ce qu'il a fait à la croix, c'est le rachat de nos âmes. Pour qu'on lui appartienne en propre. Maintenant, quand tu lui appartiens maintenant, les bontés du royaume commencent, mais on commence à profiter. On commence à profiter de cela. Oh, cette fois-ci, au lieu qu'on présente ce que le Seigneur a fait à la croix, qui est important pour tout le monde, on présente plutôt les bontés. On présente les bontés. Venez, tu n'as pas de travail, Jésus va te donner le travail. Quand il vient, il a comme objectif. Il cherche le travail. Et maintenant, quand on va lui donner le travail, ce travail-ci sera pour lui maintenant une divinité. Tu vas lui dire que retrouvons-nous pour prier. Il dit non, si je viens prier, là, le grand matin, là, manger, rendez-vous à mon patron. Il oublie que quelqu'un est le grand patron de son âme.
Et que celui-là peut décider que tu auras le palu à 5 heures, tu ne bougeras pas. Il va rester couché là-bas, il ne pourra plus aller obéir à l'autre patron. Là. Mais quand quelqu'un a compris le prix du salut de son âme, il n'y a rien sur la terre qui puisse l'empêcher de servir le Seigneur. Amen. Donc l'ultime prix que Jésus a payé, personne d'autre ne peut payer. Même pas toi. Et il pose donc la question dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, qu'est-ce qu'un homme donnerait en échange de son âme? Qu'est-ce qu'on pouvait donner? Et parce qu'on ne pouvait pas donner quoi que ce soit en échange de son âme, votre âme donc est précieuse. C'est pour cela qu'il est venu. Personne ne pouvait racheter pas ça. Même pas toi. Même pas Satan ne pouvait rien faire pour l'humanité. Christ Jésus a fait cela. Et quand il a fait, il dit qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Là, il parlait à plus de 2000 ans. Il savait que les brebis seraient sur la terre et multipliés partout. Et il n'y a pas d'endroit sur la terre où il n'y a pas de brebis du Seigneur. Si vous y êtes, sachez qu'il y a un devoir offert quelque part. Ceux qui ne sont pas convertis, c'est de votre responsabilité de laisser la voix de Dieu au travers de toi pour les faire venir. C'est ainsi qu'ils entendent la voix du berger pour venir. Donc ne cessons pas de s'aimer aux côtés de nous. Ceci implique automatiquement ceci, mes chers frères et mes chères sœurs d'Abidjan, c'est que votre comportement en tant que chrétien laisse des traces éternelles. Les mondains vous surveillent. Le ciel vous surveille. Le monde des ténèbres vous surveille. Vous êtes dans un bureau, vous travaillez. Les gens font la corruption, vous faites aussi la corruption. Pourtant, vous appartenez à un royaume de justice. Vous appartenez à un royaume d'amour. Quand on fait le faux, vous faites le faux. Vous ne prenez pas position. Quand vous faites ça, quand ces personnes-là qui sont parmi, qui sont les enfants du Seigneur, vont se convertir, vont te poser la question, mon frère. Tu connaissais ces choses, pourquoi tu faisais ça? Tu auras juste la tête baissée, honte et n'a rien à dire. Mais dans le livre de Pierre, l'apôtre de Pierre dit que il est ayé au milieu des païens. Un bon comportement. Votre comportement doit être sanctifié au point où, même si là où il veut calomnier, le jour où le Seigneur les visitera, il voit vos bonnes œuvres et il reconnaît, il glorifie le Seigneur. Donc le but c'est ceci, c'est que beaucoup de personnes sont aveuglées par Satan. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc quand c'est voilé, toi tu dois vivre l'évangile. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu fais cela. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu fais cela. Mais un de ces jours, si Dieu leur accorde la grâce, ils vont voir, ils vont comprendre maintenant ton comportement. Pourquoi tu fais ces choses-là? Mais on est chrétien maintenant dans notre modernité maintenant, quand on se rassemble. Dès qu'on quitte, la vraie vie chrétienne c'est dans vos rassemblements. C'est-à-dire que dans vos vies privées. C'est là maintenant, parce que la vie chrétienne consiste à la manifestation de l'être céleste qui est en vous, dans la société. C'est en cela que vous devenez la lumière. C'est-à-dire que là où il y a la corruption, vous amenez la justice. Là où il y a le mensonge quelque part, vous proclamez la vérité. Pas proclamer avec la bouche. Votre style de vie évangélise plutôt que votre parole. Alors quand vous allez prendre position pour la vérité dans vos lieux de service, sur n'importe quoi que vous faites, quand les gens vont voir, ils vont vouloir prendre une décision, n'importe quoi vous faites, n'importe comment, on va être celui-là. Il est dans les Alléluia. Ils sont les vendus. Il faut les laisser comme ça. Il faut l'abandonner. Ou dans vos propres villages, vos familles, quand on va dire, allons, on veut là faire sacrifice. Vous dites, celui-là, quand on fait sacrifice, ne mentionnez pas son nom. Il n'est pas là-dedans. Mais si tu pars te compromettre avec les gens-là, comment tu vas les faire sortir des ténèbres? Parce que tu es dans la lumière. Et justement, le pourquoi tu es dans la lumière, c'est pour faire sortir ta famille des ténèbres. Pour dire, vous servez des dieux qui sont les dieux morts. L'apôtre Paul a souffert de ça, de ses propres compatriotes. Mais il fallait qu'il prenne position, même s'il fallait qu'il souffre pour montrer aux juifs qu'ils sont dans l'erreur. Il dit que je souffre ces choses à cause des élus, afin qu'eux aussi soient sauvés et participent à cette bonté. Maintenant, si l'apôtre peut commencer à se compromettre, ils vont dire, ah non, maintenant, ça veut dire que ce qu'il fait, nous faisons la même chose. Point, quelqu'un dit, prends position pour la vérité. Le Seigneur a investi de sa vie pour toi. Ne le décevons pas. Il compte sur nous. Pensez-y que les choses que nous lisons dans les Saintes Écritures sont des comptes rendus de nos prédécesseurs qui ont eu à passer sur cette terre-ci et ont fait leur fin de travaux et nous ont passé le relais comme dans un stade à course de relais. Quelqu'un finit de faire les 4 mètres, on te donne, tu es le dernier qui va courir pour traverser la ligne. Tu commences à dire que je suis fatigué. Les gens qui sont dans les tribunes là se moquent de moi. L'autre dit que mes pieds sont minces. Si tu te concentres sur ce que les gens vont dire, est-ce que tu vas courir? Point, quelqu'un dit que gardons la course. Les yeux fixés sur l'objectif. Courons droit à la ligne d'arrivée. Avec les normes de la course. Sans s'inquiéter de rien.
nos prédécesseurs ont tant souffert. Ils n'entreront pas sans nous. Ils comptent sur nous. Ne les décevons pas. Ils attendent juste là. Et chaque fois qu'on se réunit sur la terre avec la puissance de Dieu qui vient, ils sont aux côtés de nous pour nous assister. Amen. Je parle des saints qui ont écrit la Bible aussi. Alors pensez-y. Voilà leur compte rendu. Il ne cesse, tant que je serai dans cette tente-ci, c'est un être humain qui écrit ça. Tant que je serai dans cette tente-ci, je ne cesserai de vous éveiller votre sainte intelligence. Parce que je sais que je quitterai à un moment donné. Donc il sait qu'il est voyageur. Bientôt va quitter. Nous n'avons pas de permanence ici. Mais nous, dans cette génération-ci, on vit comme si c'est nous qui avons créé la terre et nous allons y vivre éternellement. Il finit d'écrire ça. Il dit clairement que la fin de toutes choses est proche. Quelle doit être la sainteté de notre corps, de notre conduite. Regardez comment il donne l'alarme. Là, c'est plus de 2000 ans. S'il avait dit à ce moment-là, il y a 2000 ans, que quelle doit être la sainteté dans notre conduite qu'on devra exercer sur la terre. Imagine alors maintenant qu'il y a la pourriture. Et ça, la pourriture ne fait qu'augmenter. Donc, ils ont fait le temps, ils ont quitté. Ne négligeons pas. Eux, ils n'avaient pas de Bible. C'est eux qui étaient des Bibles. Et leur Bible maintenant a été transcrite maintenant pour que nous voyons maintenant les écrits pour prendre appui et la force pour pouvoir marcher dans cette voie-là. Ne décevons pas le Seigneur. Amen. D'accord? Ne décevons pas le Seigneur. Il compte sur nous. On ne doit pas souffrir, longtemps comme les autres ont souffert. Les ouvriers de la 11e, ils ne travaillent pas pour longtemps avant que le maître entre en contestation pour remettre les récompenses. Remarquez, on est très proche du but. Mais on peut être éloigné pour l'éternité. C'est pas faux. Voulez-vous travailler pour l'œuvre du Seigneur? Amen. Sans compter sur votre intérêt? Amen. J'aimerais que vous vous armez de cette pensée-ci. C'est que je travaille pour Dieu. S'il veut me récompenser, il le récompense. Que ce soit de son droit souverain en tant que Dieu de me récompenser ce qu'il veut. Que ce ne soit pas une condition pour le servir. Seigneur, ça fait 4 ans que je compose cet examen, j'échoue. Pourtant, tu es le Dieu qui donne la sagesse. Il n'a pas dit qu'il donne la sagesse pour composer l'examen. Comprenez? Amen. Alors que dans son plan parfait, il veut que tu redoubles parce qu'il veut qu'un de ses enfants qui est en 4e grandisse bien, il vient te trouver en terminale. Oui, je vous montre juste que le plan de Dieu n'est pas nos plans. Amen. Toi, tu te fâches que depuis que tu es là, tout le monde vient. C'est toi qui enseignes les mathématiques, tu enseignes tes choses aux gens. Tout le monde, tous ceux qui viennent, ils passent là-bas. Tu es même le directeur même de la terminale. Mais son plan à lui, ce n'est pas ça. Vos voix ne sont pas mes voix. Lui voit que si tu quittes l'école, c'est toi qui es sa lampe torche là-bas. Si tu quittes là-bas, cette personne, s'il va arriver ici, tu as un professeur là-bas qui est franc-maçon que tu ne connais pas. Il sera détourné par cette personne-ci. Et si elle est détournée, arrivée à l'université, elle sera une lampe entre les mains de Satan pour pouvoir détruire les gens. Et par conséquent, j'attends qu'elle grandisse, elle arrive en terminale, soit son ton ami. Toi qui es chrétien, tu finis de redoubler, tu te fâches, tu vois comme ça là. Et puis quand elle arrive là-bas, vous devenez ami. Elle dit, ah, tu es chrétien, oui, pourquoi? Et pourquoi tu échoues? Et tu parles, elle est transformée, vous quittez maintenant, la même année vous passez. Tu te fâches parce que c'est un enfant d'école primaire qui vient te trouver là-bas, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ton plan n'est pas le plan de Dieu. Mais comme il ne peut pas t'expliquer tout ça, tu te fâches seulement. Il n'y a rien en réalité, rien de mauvais qui arrive à un enfant de Dieu. C'est nous qui considérons ça comme étant mal. Rien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car c'est très bien qu'on cite comme ça dans la Bible. Mais dans la réalité, on dit qu'on veut enlever dans toutes choses les choses qui sont mauvaises. C'est-à-dire que dans la réalité, quand ça t'arrive, tu ne comprends pas que tout veut dire les biens et les bons et les mauvais. Tu veux que toute la voudrait signifier tout ce qui est bien. Alors, donc, je tente de dire que j'aimerais qu'on considère dans notre esprit que nous ne voulons pas, nous ne devrions pas servir Dieu en attendant une récompense de lui. Le fait même que nous sommes conscients que nous avons été sauvés par grâce devait nous pousser davantage à dire qu'est-ce que je dois faire pour que le Seigneur soit content de moi. Pas que nous exigeons que Seigneur, si tu ne fais pas tes choses, je ne fais pas tes choses. Il n'est pas obligé de le faire. Et même, si tu vas en enfer, ça ne change pas de lui qu'il est Dieu. Si tu refuses que Seigneur, tu n'es plus mon Dieu, ça ne fait absolument rien.
Quand tu seras en train de crier là-bas, il sera avec toi. Alors, car, regardez encore ce verset 21, et que ça ne vous quitte pas. Tout le reste de votre vie désormais. Car tous cherchent leur propre intérêt, oui, et non ceux de Jésus-Christ. Vous entendez ça, frère? Je suis sûr que vous pouvez souligner n'importe quel genre de verset dans la Bible, mais sauf la qualité ici. Vous soulignez la qualité qu'on dit, comme dans Philippiens, je puis tout par celui qui m'est fortifié. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Le genre ici, vous allez voir dans vos Bibles, vous soulignez pas ça. Alors la question c'est, est-ce que je cherche l'intérêt de Christ? Si vous cherchez l'intérêt de Christ, vous allez commencer à voir que si vous voyez un chrétien qui vit dans le péché, c'est de votre responsabilité d'intercéder pour lui. Parce que Christ fait le rôle d'intercesseur. Et imaginez que, après avoir souffert tant d'injustices sur la terre, après avoir souffert la mort de la croix, il est allé dans la droite de la majesté divine. Il n'est pas là-bas inerte. Il continue l'œuvre d'intercession jusqu'à ce que le dernier entre. Donc, ça veut dire que sur la terre, pendant que je vois un frère qui vit dans l'immoralité sexuelle, je ne vais pas le dénoncer parce qu'en dénonçant, j'envoie les flèches contre lui pour fortifier les esprits qui le poussent dans cette immoralité. En tant que peuple d'amour, lorsqu'on va dans le combat, si on est militaire, ainsi de suite, quand quelqu'un est touché, on fait tout et tout pour le mettre en zone de combat parce qu'il est handicapé. On le protège pour le mettre là pour qu'il se soigne. On ne dit pas que, oh, il a les pieds, balle, il continue à tirer sur lui. Non. Notre frère, notre camarade n'est pas notre ennemi. Amen. Quand il est blessé, on l'aide à s'en sortir. Amen. Comprenez cela? On l'aide à s'en sortir. Et donc maintenant, quand celui-ci est blessé, quand il parle de blessure, ça c'est pour le combat. Dans l'exemple que je viens de prendre, il parle de quelqu'un qui est handicapé d'une certaine façon par rapport à la marche chrétienne. Je dois entrer dans l'intercession. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne met point à la mort, qu'il ouvre une chaîne YouTube pour le persécuter. Vous avez vu ça dans la Bible, non? C'est ce que les chrétiens de cette époque si ont fait ça. Et quand ils ont ouvert comme ça, commencé à dénoncer les serviteurs, ils pensent qu'ils sont dans l'œuvre de Dieu. Ils font comme ça. Et vous pouvez vous montrer que c'est ce que le monde actuel voit. C'est quand les chrétiens vont, ils partent, c'est par là-bas qu'ils partent voir. Vous mettez l'enseignement, comment s'attacher pour plaire au Seigneur. Vous voyez, 8 ans, 3 vues. Vous voyez un enseignement, comment s'attacher au Seigneur et lui être entièrement agréable. Ça fait 8 ans sur YouTube, 3 vues. Le pasteur a couché avec les fidèles, 2 millions de vues, 4 heures. C'est grave. Non seulement celui qui fait sa pêche, il invite les gens au péché. Parce que quand tu as la vue, même si c'est le mensonge, que c'est la vérité, vous n'avez pas le droit devant Dieu de faire cela. Parce qu'il a dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il ne même pointe à la mort, qu'elle prie. Il n'a pas dit qu'il dénonce. Vous voyez le problème là où on s'en trouve, frère? L'intérêt de Christ est suprême. Ça dépasse nos enjeux. Ça dépasse nos égos. Alors, je te dis ceci, c'est que si nous voyons quelqu'un qui est dans ce style de vie, on entre automatiquement au deuxième ministère de Christ. Le ministère de Christ, c'est d'abord, un, amener le salut. Deuxième, après le salut, l'intercession. Donc, quand Christ quitte la croix, il ne va pas rester inerte. Il est là-bas. Il va rester intercédant jusqu'à ce que le dernier soit entré. Et par conséquent, quand je me mets à genoux, je commence à prier pour cette personne-ci. Je prie. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous voie. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un connaisse ce que vous faites là. Vous voyez, quelque part, on parle de quelqu'un. Vous mettez son nom. Vous commencez à prier. Quand vous priez, oh Père, ton salut, que ta grâce, ta miséricorde, ça complète cette vie. Aide cette personne à s'en sortir. Après, tu vas prier ainsi. Tu regardes, visualises la personne dans ton esprit. Tu dégages tous les ténèbres qui sont à côté de lui. Tu dis merci au Seigneur pour cela. Pendant que tu fais ça, si vous lisez le livre d'Apocalypse au chapitre 5, le verset 8 et le chapitre 8, verset 3, la Bible déclare que les anges prennent ces parfums-là et vont devant l'autel pour verser là-bas les parfums des saints qui représentent les prières des saints faites sur la terre. Ils vont devant le Seigneur avec cela. Le Seigneur prend ça comme intercession. Que Seigneur, on réclame l'âme de celui-ci. Envoie la force pour pouvoir l'aider sur la terre. La personne est délivrée du péché. Le nom du Seigneur Jésus est glorifié. Amen. Vous comprenez, frère? Donc, je souhaiterais que nous soyons une génération qui change de mentalité. Amen. Vous ne pouvez pas faire ces choses-ci sans avoir l'amour du Seigneur en vous. Amen.
Et vous ne pouvez pas dire que vous avez l'amour du Seigneur Jésus-Christ en condamnant les frères. Quand quelqu'un vit dans le péché, vous prenez son cas pour aller dire aux gens, non, 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 non. Ce n'est pas l'itinéraire que le Seigneur nous a donné. Le peuple d'amour couvre les péchés des gens par amour. Le Seigneur nous a montré dans le livre des Nombres, au chapitre 23. Si vous lisez depuis le chapitre, d'abord vous lisez depuis l'appel des Juifs en Égypte jusqu'à ce que Balaam entre en scène avec Balak, les Juifs ont été toujours désobéissants. Au point où Dieu lui-même a compté le nombre de fois qu'ils l'ont attesté, 10 fois. Mais quand Balak et Balaam sont venus pour maudire le peuple de Dieu, il dit que je ne vois point d'iniquité en Israël. Je vous pose la question, il y a un peu d'iniquité. Quelqu'un dit flop, flop. Flop, flop, flop. Donc il y en avait ça comme ça. Mais quand il a été question de régler son problème avec quelqu'un de l'extérieur qui voulait condamner son peuple, il dit non, 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 non. Mon peuple n'a pas de problème. Dès qu'il parle maintenant, il dit à Israël que je vais vous montrer. Au jour de ma vengeance, je vais traiter contre vos péchés. Mais peut-être venir de dire là qu'il y a point d'iniquité en Israël. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Dieu veut nous montrer. Et c'est ce qu'il nous a présenté par le péché de Noé et de Cam. Que quand il y a un péché dans la famille, on couvre pour résoudre le problème. On ne dénonce pas. On ne se rit pas. Parce que quand tu ris de quelqu'un parce qu'il a péché, tu ne sais pas ce qui t'attend dans ton itinéraire. Si quelqu'un croit être debout, très bien, parce que tu peux être tenté de la même façon. Vous comprenez ça, frère? Alors prenons à cœur l'intérêt de Christ. Vous remarquez que non seulement j'ai posé le problème, j'ai montré la solution. L'intérêt de Christ, ce sont des âmes. L'enjeu, c'est l'âme. L'intérêt de Christ, ce n'est pas de construire des dénominations, ce n'est pas de construire des églises, ce n'est pas que les routes soient bonnes. Non, 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 non. C'est pour cela que quand vous n'avez pas compris ces choses-ci, vous allez commencer à glisser dans l'histoire des Kémites, vous appelez les Kémites là pour dire, vous tombez dans des religions, des discussions bizarres, que les Africains sont là et prient pour que Dieu vienne changer, que Dieu vienne développer le pays. Le chrétien n'est pas sur la terre pour que la terre soit développée. C'est pour faire sortir les gens de la terre, que préparez-vous, la terre va passer par le feu. Donc il n'est pas question du développement de nos continents dans l'histoire de l'évangile. Jésus n'est pas mort pour que les continents soient développés. Ils disent que non, les Chinois ne prient pas, mais leur pays est développé. Donc, quand le pays est développé comme ça, ça montre qu'ils sont bien. Les gens qui sont bien mangent des êtres humains, frère. Quelqu'un qui mange le cafard, il mange le mille pattes, il est normal. Quand il va manger, il mange saignant. Dans le temps, la Bible dit que les mangeurs avaient du sang. Vous voyez, ils font le défilé, la fête, leur fête, leur divinité, c'est quoi? Le dragon. Quelqu'un qui a le dragon, vous attendez quoi de bien de lui? Et on commence à faire que oh, les chrétiens, passez votre temps à prier. Mon temps de prier, ce n'est pas que le pays se développe. C'est que l'intérêt de Christ soit là, que la volonté. Quand il a dit, quand vous priez notre Père, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quelle est sa volonté? Que le royaume vienne. Pas que ça devienne le royaume. Que le royaume vienne. Ce royaume-ci de la terre sera détruit. Ce n'est pas le royaume de Dieu, ça. Notre royaume à nous doit venir. Donc voilà la volonté de Dieu. Quel que soit le développement qu'on fait, c'est plus le développement avance avec les esprits qui accompagnent ces cultures. Donc, si vous ne comprenez pas bien les intérêts de Christ, vous allez entrer dans ces jeux-ci. Arriver sur le plateau de télévision, aller à plateau pour dire que je suis la tanière des lions, on commence à développer des bêtises là-bas. Dieu ne fait pas, c'est pas ça qu'il est là. L'intérêt de Christ, c'est les âmes. C'est pas que vous soyez bien, qu'on a des échangés chez nous. Vous avez des échangés, vous changez quoi? Que non, il y a les aéroports à Singapour et autres là-bas. Et puis un de ces jours, Dieu dit que leur tour sera détruit. Anéanti, une seconde de tremblement de terre. 9,2 degrés à l'échelle de Richter. Et toute cette technologie-là est au sol. Et puis, tout ça, c'est pour ça. C'est donc à quoi? La Bible dit, ta Bible dit que plus que toutes ces choses-là, elles vont au feu, qu'elle ne doit pas être la sainteté de votre corps conduit. Donc, l'homme travaille pour le feu. Toutes nos œuvres-là, c'est pour le feu. Vous avez vu Dubaï qu'on a challengé Dieu, ils ont challengé Dieu, non? Dieu a juste fait comme ça, il a plu. Quelques 2 jours de pluie. Et puis, ça a fait perturber toute la nation. 2 jours de pluie. Il regarde comme ça. Il fait 2 jours. S'il fait 1 mois de pluie, ça fait comment, frère? Alors, ça veut dire que l'homme travaille finalement, définitivement, pourquoi? Alors, comprenons donc les objectifs, pas du millénaire, les objectifs du ciel. L'objectif du ciel, c'est que tous ceux qui ont été sélectionnés dans la liste de Dieu, que toi, tu ne connais pas, mais que celui qui est en toi connaît, l'objectif, c'est qu'ils viennent. Or, quand tu es quelque part, dans une école, ils sont là. Tu es dans un travail, ils sont là. Ils connaissent ces brebis.
nous sommes les véhicules au travers duquel Dieu passe, des radios au travers duquel il passe pour faire parler à ces gens-là. Nous sommes donc des caisses résonantes de la voix du Saint-Esprit pour faire écouter la voix du ciel. Voulons vous servir à l'intérêt du Seigneur. Amen. Si nous comprenons ces choses-ci, les débats s'arrêtent. Parce qu'il y a du travail. Ce sera l'objectif principal de ma troisième venue. Vous comprenez ça, frère? Pourquoi on a le travail pour que les gens entrent dans leur ministère? Quand vous entrez dans votre ministère, vous faites ce que vous avez fait dans votre couloir, vous trouvez satisfaction, Christ est satisfait. Là maintenant, si Christ vient, il dit, fais, serviteur, faites rendre des comptes. Seigneur, tu m'as donné tel talent, j'ai fait ceci. Regardez très attentivement. Souvenez-vous, le troisième monsieur à qui on a donné un seul talent. Et la Bible déclare qu'il a donné à l'un 10, à l'autre 5, à l'autre 1, seul, chacun selon ses capacités. Donc celui qui investit sait quelles sont les capacités des uns et des autres. Il sait que ce que je fais, tu ne peux pas faire. Ce que tu fais, je ne peux pas faire. Et par conséquent, il a réparti les talents selon les capacités qu'il a mises en nous. Il s'attend que tu fasses valoir. Il ne s'attend pas à ce que tout le monde travaille comme le frère Junior. Il ne s'attend pas à ce que je travaille comme toi tu en as travaillé. Tu travailles selon la force qui est là. C'est pour ça que dans la compréhension des missions et des objectifs du Seigneur Jésus, il faut aussi comprendre la force que Dieu t'a donnée pour pouvoir faire ce que tu as à faire. On ne doit pas faire les mêmes choses au même moment, ni de la même façon. Non. On fait selon les capacités. Il y a des gens qui peuvent sortir pour évangéliser parce que Dieu a mis cette soif-là. D'autres, tu vas faire un peu comme il ne fait pas. Son rôle, peut-être, c'est à la maison. Pendant que vous sortez pour aller prêcher, lui, il est en train de prier pour vous appuyer en arrière-plan. Voilà son rôle. Vous n'allez pas venir lui dire que mon frère, il ne faut pas faire comme ça, il faut sortir avec nous. S'il sort, qu'il couvre. Quand les militaires vont en mission, quand ils sont partis, vous remarquez que quelqu'un vient, il se met à genoux, il place d'abord l'arme, il surveille. Quand il a surveillé que c'est éclairé, il fait comme ça, que passe, tu passes. Celui-là passe pour aller se positionner encore de l'autre côté pour qu'il gagne des territoires au fur et à mesure. Pendant qu'il est en train de partir, quand celui-là coupe partie, celui-ci est là pour veiller, il veille. Quand celui-là a fini de veiller, quand il se positionne, il fait aussi comme ça, d'autres positions. C'est comme ça. Si tout le monde entre, on dit qu'on a tous muté, que allons. Ça veut dire que s'il y a la bombe, ça tue tout le monde en même temps. Quand quelqu'un dit soyez sage. Vous comprenez? On ne marche pas comme ça là. Que j'ai l'âme, tu as l'âme, tu as les bouches, j'ai les papas, j'ai mon ranges. Les 1000 anti-personnes ne comprennent pas ranges, tu comprends non? Quand ça fait boum, ton genou ça part là-bas, ta tête part là-bas. Vous comprenez? Très bien. Donc, il y a dans ce qu'on appelle les snipers, il y a les observateurs. Ils sont là, ils observent d'abord, ils regardent. Ils disent que, il faut montrer que c'est bon, il faut montrer que vous pouvez passer. Il y a les éclaireurs. C'est pour ça qu'il y a les prophètes au milieu de l'église. On prie, on cherche la volonté du Seigneur. On prie, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, voilà la direction. Ceux-ci donc sont mis à part, ils continuent. Pendant qu'ils ont avancé, ils disent, oh, on va aller évangéliser où? La nuit, le Saint-Esprit vient dire que, passe à Macédonie et c'est court. Voilà la direction du Seigneur. Voilà les hommes dirigés par le vent. Le Saint-Esprit prend le contrôle de son église. Amen. C'est terminer la direction des hommes dans l'église. Amen. Donc, n'ayons point honte du témoignage du Seigneur Jésus. C'est le meilleur témoignage. Le meilleur service, c'est en Christ Jésus. C'est le service ultime qu'un être humain peut faire sur la terre. Donc, vous remarquez donc que le Seigneur ne demande pas à quelqu'un de quitter son travail pour aller faire uniquement son œuvre. Parce qu'il sait qu'il y a l'œuvre de subsistance. L'autre, deuxième ministère de la chair, la subsistance et le service que vous voulez rendre auprès de votre famille. Mais le point, c'est qu'il faut que chacun trouve exactement ce à quoi il a été appelé à faire. Et tant qu'on n'a pas trouvé cela, utilisez votre carnaval, là où vous vous trouvez, comme votre source pour répandre la bonne odeur de Christ au milieu de ceux qui se perdent. Amen. Que ton style de vie soit le condiment par lequel, quand les gens vont manger, ils vont sentir qu'il y a un condiment qui est dans cette sauce-ci. Quand quelqu'un rentre à la maison, il est traumatisé par le comportement, le bon comportement que tu as eu à son égard. Comment un autre humain peut aimer comme ça? Je suis venu vers lui, je l'ai grondé. J'ai même menti. Il m'a regardé avec amour. Il a souri. Il dit que le Seigneur t'aime. Il m'énerve. Alléluia. Amen. Il ne peut pas comprendre cet amour-ci. Comment on peut t'insulter. Et puis tu viens, tu donnes à manger. Soyons les êtres d'amour. Amen. Vous comprenez les intérêts de Christ? Amen. L'intérêt de Christ, ce n'est pas que Yopougon soit développé. Vous comprenez? Amen. Que les caméras qu'on met là-bas, ce n'est pas pour vous aider, c'est pour vous surveiller.
En tout cas, vous avez vu le tout problème de technologie que j'ai expliqué là, n'est-ce pas? Alors, l'intérêt de Christ, je recommence encore, c'est que tous ceux pour qui il est mort à la croix viennent définitivement. Et dans cette aide, dans cette mission-là, il compte sur ceux en qui il a investi, qui sont déjà dans le royaume, pour le faire. Dans Jean chapitre 10, il les envoie. Au verset 40, il dit, je vous envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Quand vous entrez dans une maison, saluez là. Et si vous trouvez un enfant de paix, votre père ira sur lui. Donc, vous imaginez qu'il vous investit en disant que vous marchez, mais vous portez la paix sans vous en rendre compte. Ou quand vous arrivez dans une maison, vous saluez la maison, que je salue cette maison au nom de Jésus. Il dit, dès que vous dites ça, si vous trouvez un enfant de paix, c'est-à-dire qu'un de vos compatriotes, un de vos co-héritiers, il dit, votre père ira sur lui, ça va le repérer. Et si ça ne se trouve pas, ça reviendra sur vous. Vous imaginez ce que nous portons, frère? Donc, nous sommes des porteurs des héritages, nous distribuons. Porteurs des bénédictions, nous distribuons. Donc il dit que le Seigneur bénisse cette maison. Si il sort, quelqu'un n'est pas là, qui dit pour les bénédictions, ça revient sur moi. Maintenant, quand vendait ici, ils sont balancés pour la malédiction. Si ça arrive là-bas, ça trouve le gilet papal. Ça fait comment, frère? Retour à l'envoyer automatiquement sans que vous ne priez. Alors, pensez maintenant que le Seigneur vous a donné 24 heures. Nous a donné 24 heures à chacun. Pensez combien de 24 heures nous avons gaspillé dans les inutilités. Pensez-y. Vous pensez que vous passez 24 heures sans investir dans le royaume, c'est que vous avez fait du talent que Dieu vous a donné. Imaginez ça. Mais pensez maintenant que pendant que vous faites ces 24 heures sans investir dans le royaume, le plus grave, c'est que par nos comportements et par nos agissements, nous investissons pour le royaume ennemi, qui est notre royaume ennemi. Pensez-y. Réfléchissez, c'est ahurissant. Que non seulement vous n'investissez pas pour le royaume, mais vous aidez l'autre royaume à avancer. Et quand vous aidez l'autre royaume à avancer, vous aidez à détruire notre royaume contre lequel on doit. C'est contre ce royaume qu'on doit combattre. Mais nous sommes dans ce royaume-ci, en train de faire plutôt les choses de l'avantage de ce royaume. Pensez à un homme qui est normal, qui donc sa tête réfléchit, passe 90 minutes devant la télévision pour voir le football. Mais s'il dit, ferme tes yeux, dis Seigneur, plus de toi, moins de moi, il va dire, Seigneur, ça dure trop. Or, nous sommes en train d'évoquer le Seigneur qui s'investit davantage à nous pour que nous soyons capables de faire ses œuvres. Mais on peut passer 90 minutes là-dedans. Et quand on va faire, on va prier. On va commencer à prier, quelqu'un va dormir. C'est pour ça qu'on dit nuit de prier comme ça, quelqu'un dit que, mais est-ce qu'on est obligé de prier toute la nuit? Non, vous êtes seulement obligé de passer 90 minutes devant la télévision. C'est là où c'est bon. Quand c'est pour Dieu, on commence à philosopher. Vous remarquez la 5 heures, avant qu'on sorte, vous entendez pim pim pim, baka baka, pim pim pim, pim pim pim, là c'est pour réveiller les gens qui allaient travailler. Et même s'il a saoulé à minuit, 5 heures il est debout parce qu'il faut qu'il passe chercher quoi? L'argent. Mais dis-lui que lève-toi très tôt, compris. Il va dire non, est-ce que Dieu est obligé de comprendre comme ça? Je vais prier dans mon cœur quand on va partir, il faut rester sur mon sujet, plus pour l'argent, tu vois. C'est très grave mes frères, très grave. Ah si on sort pas comme ça, on va manger quoi? Il dit, en vain, vous sortez pour chercher du pain. Il en donne à ses bien-aimés sur leur couche. Rien ne manque à ceux qui le craignent, dit le Seigneur. Rien ne manque. Que Dieu nous donne de choisir la bonne part, je vous le dis. Donc, choisissez vos 24 heures. Vous pouvez choisir que sur 24 heures, Seigneur, je vais demander sur 24 heures. Je vais prendre la moitié pour faire quelque chose dans ton royaume. Vous commencez la prière comme ça. Dieu va vous révéler. Mais commencez petit. Commencez à faire petit, que Seigneur, je ne passerai pas des jours sans parler de toi à quelqu'un. Doucement, doucement. Vous commencez à regarder dans votre entourage, commencez, n'allez pas loin. Commencez. Dites-vous que je ne peux pas entrer dans un taxi, voir quelqu'un sans lui en parler. Vous entrez dans un taxi, vous vous asseyez là-bas, vous ne savez pas qui est là, si c'est un agent de la DST. Vous entendez, on dit, à la soirée, tu as gâté le pays. Tu entres aussi à l'intérieur, oui, il a trop gâté. Tu ne connais pas qui est là, ça ne te concerne pas. Tu commences à parler de ces choses. Vous comprenez cela? Même si toi-même, tu es au courant qu'il a gâté, même si toi-même, tu es au courant qu'il a volé les élections, tu dis, prions pour nos dirigeants. Parce que Dieu nous demande de prier pour les autorités. Est-ce qu'on peut prier? Laissez donc ça comprendre. On dit, non, toi, tu es que, tu es que. Je suis serviteur du Seigneur Jésus. Notre royaume, c'est le royaume d'amour. Avec vous, Jésus, dans vos vies. Vous remarquez que vous avez orienté la conversation. La conversation va quitter maintenant de Alassane Ouattara à Jésus. Amen. Vous avez imposé Jésus.
vous avez imposé Jésus. Quand j'arrive dans un endroit, dans un milieu, que tu sois qui, n'importe quoi là-bas, je vais orienter toutes vos pensées. Tu prends n'importe quoi, n'importe quoi. Quand je vois les gens qui jouent au TSC, ils sont là, vous voyez, les gens ont la cigarette, ils font ça. Il dit, si vous misez sur votre cheval, je n'ai même pas vu ce qu'il a choisi. Si vous misez sur le cheval, là, il va perdre. Il dit, ah bon? Oui. Il dit, et toi, tu choisis quoi? Il dit, non, le cheval conduit par JC. Il regarde comme ça, il dit, il n'y a pas JC. Quel cheval? Celui qui est blanc. Il regarde comme ça, il dit, ouais, l'attention est déjà attirée. Il croit qu'ils sont les paroles du TSC. Il parle de Jésus-Christ qui est monté sur le cheval blanc. Alléluia. Avant qu'il se rende compte, on a fait 15 minutes là-bas, j'ai parlé de Jésus. Il commence à enlever la cigarette, il dépose, il commence à enlever la cigarette. Quand il va rentrer, il va enlever Jésus. Il va dire, mais Jésus monte sur le cheval. Jésus monte sur le cheval. Il joue au TSC. Il court. Et dans le ciel, il court. Il est toujours premier. C'est celui qu'il faut miser. Vous comprenez ça, frère? J'ai un voisin qui est venu à la maison plusieurs fois. Il vient. Il me dit, oh, je vais boire, je vais boire. Ce sont les gens, ils sont des jumeaux. Quand vous les voyez, ils sont identiques. Ils viennent, ils boivent. Chaque fois qu'il m'invitait, je ne bois pas. Il voit l'argent. Un de ces jours, il est venu. Je peux parler de Dieu. Je vais parler seulement de la logique. Il s'est assis. Il buvait. Il dit, ok, quand vous buvez là, depuis que tu bois, donne-moi l'avantage. Un avantage que l'alcool fait dans ton corps. Il a regardé son voisin comme ça. Son voisin l'a regardé comme ça. Il dit, c'est même vrai. Vous voyez, il n'avait jamais réfléchi sur cela. Et j'ai dit juste comme ça. Et je commence à montrer maintenant la perte qu'il a en buvant de l'alcool. Si cet alcool, si ça coûte comme ça, multiplié par ceci, vous voyez, ça fait toute une maison que vous avez bu en une année. Depuis là, il ne boit plus. Chaque fois qu'il me voit, il dit que je ne bois plus l'alcool. Vous comprenez? Donc, utilisez les occasions que vous avez devant vous. Comme je tente de le dire, vous prenez, vous avez 24 heures, prenez votre 24 heures, commencez à demander la grâce au Seigneur. Il va vous y inviter. Quand vous commencez à parler du Seigneur jusqu'à aux gens, qu'il l'admet ou pas, ne vous attendez pas à ce que les gens vous reçoivent de coups. Il y a des gens qui sont réticents au nom du Seigneur. Parce que si vous parlez de Dieu, tout le monde enseigne. Dès que ça touche Jésus, parce que c'est le nom qui amène la contradiction. Dès que vous parlez de Jésus, ça commence. Mais toujours est-il que dans un milieu, il y a toujours quelqu'un à qui c'est adressé. Pour être sans l'argent de parler de Jésus, vous remarquez que ça, tout le monde est là. Ah non, 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 non. Vos histoires d'église, je ne sais pas ça. Et puis quelqu'un vient vers vous. Voilà la cible. Le pourquoi tu es là, c'était pour lui. Les gens sont là, vous êtes dans les salles de temps de n'importe quoi, où les gens se meurent à l'intérieur. Les gens ont des problèmes, les gens cherchent juste la vérité. On va vous sortir tout genre de théories. J'ai un pasteur qui couche avec sa femme, je dis, c'est pas le problème là-bas. C'est pour ça que Dieu m'a donné toutes les techniques pour le prendre. Parce que si tu dis que, oh, il y a des faux pasteurs, c'est pour ça qu'il ne veut plus écouter, il dit, ok, maintenant l'avion fait l'accident, il ne prend plus l'avion. Quand l'avion a déclos, ça fait boum, on dit ça tue 200 personnes. Dans les secondes d'après, l'autre avion décolle. Les gens sont toujours dedans, pas vrai, frère? Ah non, 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 non. Le pasteur s'est accouché avec tes femmes. C'est pour ça qu'il ne veut pas aller à l'église. Ok, c'est pour ça qu'il ne veut plus partir. Ok. Tu as vu le faux bien? Il dit oui. Est-ce que tu utilises encore l'argent? Oui. Donc, mais après qu'il y a le faux, tu utilises toujours l'argent. Donc tu n'as pas d'excuse devant le Seigneur. Pour les pousser à bout pour dire, il n'y a pas de faux sans vrai. Alors la question, ce n'est pas que l'autre est faux ou quoi que ce soit. Ok. Comme tu as su que c'est faux là, fais l'effort que toi tu sois vrai. Pour que sa fausseté soit dénoncée. Fais donc ce qui est faux. Alors investissons dans les choses du Seigneur. Ne venons pas dans le Seigneur parce que, oh frère, je veux que tu pries pour moi pour que ma situation change. Ta situation peut changer et c'est ça qui te crée un problème. Qui dit que Dieu ne t'a pas maintenant dans cette situation-là? Parce qu'en fin de compte, regardez comment vous êtes là maintenant. Si vous étiez des travaux ou travaillez dans la nuit et que vous gagnez 500 000 francs CFA, frère Junior vient pour dire, non. Il va encore venir quand? Parce qu'il veut programmer dans mon programme. Parce que tu as en vue 500 000. Parce que tu ne viens pas, c'est terminé. C'est pour ça qu'il fait toujours qu'on ferme le téléphone. Parce que si tu ne fermes pas le téléphone, tu restes comme ça. Quelqu'un dit que, ah! Tu es où? Tes 50 000 que j'avais là, viens prendre ça maintenant, sinon je vais partir. Tu as dit, frère Junior, j'arrive. Et puis tu es parti pour 50 000. Et nous sommes de parler des objectifs du royaume, les intérêts de Christ. Prenez vos 24 heures et faites de telles enseignes que le Seigneur Jésus soit glorifié durant ces 24 heures. Amen. Éloignez de vos 24 heures tout ce qui glorifie l'autre royaume. Amen. Tous nos 24 heures doivent être investis pour le royaume. Ça veut dire quoi concrètement? Si ce frère-ci est marié, ce qu'il doit faire dans ces 24 heures, doit faire en faveur du royaume et en faveur de sa famille. Tout ce qu'il doit faire doit contribuer à cela. Parce qu'on doit rendre compte en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, en tant que serviteur. Alors si ce qu'il fait n'est pas pour l'avantage de sa famille, n'est pas pour l'avantage de ce royaume, il travaille contre Dieu. Vous comprenez cela? Quand tu vas t'asseoir dans un maquis, tu commences à boire, tu dois te poser la question. Comme je suis ici. Est-ce que c'est pur? Philippiens 4, verset 8, il dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux,
tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite la louange, soit l'objet de vos pensées. Donc pense que si Jésus était là, il approuverait là où tu te trouves. Si la réponse est non, dégage de là. Alors quand tu es là, est-ce que c'est en faveur de ta famille? Tu vas boire une bière, deux bières, trois bières. Ton enfant n'a pas de cahier. Alors que ces agences pouvaient être investies dans la vie de ton enfant. Donc vous voyez clairement, tu es là pour détruire et ta vie spirituelle et ta vie familiale. Et la Bible dit que quand tu vas t'attarder à côté de l'alcool, finalement ta langue va parler légère. Et tu vas pécher dans la débauche, dans la prostitution. Pour qui les rares, pour qui les hélas, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès des liqueurs. Vous voyez, quand d'un vin rouge, ça, quand tu verses ça dans le tronc, vous voyez les mondains. Quand ils mettent ça dans le verre, là, ils ne mettent pas ça directement. Ils mettent ça coule comme ça. Ça t'attire. Quelqu'un dit la séduction. Il dit ça finit par mordre. Comme l'aspic. Et puis quand tu veux aménager un peu le ministère du péché en toi, tu commences à chercher les versets bibliques pour soutenir. C'est là que Jésus a transformé l'eau en vin. Point que quelqu'un peut dire, et ça fait quoi? Il a dit à Timothée, ne fais que boire de l'eau. Prends un. D'abord, ça te concerne en quoi? Tu buvais seulement de l'eau d'abord. Tu as des fréquents mal d'estomac. Ça ne te conseille pas. Mais il faut sous-tendre le ministère du péché. Mais là où c'est dit que votre corps, votre être soit garé, irrépréhensible, tu passes outre. Tu ne veux pas comprendre ce que ça veut dire. Sois gardé irréprochable, irrépréhensible. Où on devait s'atteler là-bas dans 5 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, pour dire, mais il dit que tout mon être, c'est-à-dire mon et précise, mon être, mon corps, mon âme, mon esprit soit gardé irrépréhensible. Je devrais m'arrêter pour dire, mais mon être doit être gardé irrépréhensible. Qu'est-ce qui peut faire que mon âme soit répréhensible devant Dieu? Qu'est-ce qui peut faire que mon corps soit répréhensible? Qu'est-ce qui peut faire que mon esprit soit répréhensible? Je commence à m'y atteler pour travailler. Bonsoir les saints d'Abidjan. Donc voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, que je partage avec vous pour que vous soyez nourris. Amen. J'en ai terminé. Amen. Oh, le frère Pierre, la prêtre, viens maintenant pour ton témoignage. Tu n'as pas oublié, non? Non, il n'a pas oublié. Viens. Mais est-ce que j'ai venu là-bas? Ok, viens. Ce n'est pas un long témoignage, c'est pour te confirmer le message que tu viens de nous donner tout à l'heure. Parce que durant la nuit d'hier, le Seigneur m'a donné un message. Oui. Non, je ne comprenais pas. Le message, là, il est écrit, je vous ai caché. Maintenant, vous voulez me tromper. Il m'a donné le message comme ça. Non, je ne comprenais pas, mais j'ai quand même noté. Quand je suis arrivé là, quand nous sommes arrivés, le frère, quand il a commencé à diviser, il a demandé s'il y avait des messages. Et pas. Je voulais partager ça, mais je ne voyais pas comment introduire ça. J'ai venu. Ça ne s'en donne pas bien. Oui, ça ne donne pas bien. Je me suis retenu. Mais dès que tu es arrivé là, tu as demandé à ce qu'on lise le passage de Philippiens 2 là. J'ai directement compris. Puis il n'y avait pas à rendre grâce au Seigneur. Amen. Donc c'était pour dire que c'était la direction du Seigneur. Donc dis, décode maintenant, comme le message est décodé, dis donc au frère ce que le Seigneur t'a dit en code. Bon. Encore, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il veut nous dire que, avec toute la grâce qu'il nous a donnée de nous garder, de nous donner la vie éternelle, toutes ces bonnes choses qu'on a dans le Seigneur, mais nous, qu'est-ce qu'on lui donne en retour? C'est ça qu'il dit que, et maintenant vous me trompez. Qu'est-ce qu'on lui donne en retour? Parce que c'est ça la véritable question. Parce que maintenant, le frère, il a développé, moi, je ne pense pas que je peux dire plus que ça. Donc, qu'est-ce qu'on donne en retour au Seigneur? Avec tout ce que le Seigneur fait pour nous, si on commence à citer, déjà la vie éternelle, même on ne peut même pas en parler. Si on regarde même encore autre chose, mais nous, qu'est-ce que nous donnons au Seigneur? Maintenant, il a pris les exemples de l'apôtre Paul, que lui, malgré lui, l'apôtre Paul étant un homme fait, connaissant déjà ça, lui étant en prison, il savait qu'il faut s'inquiéter des autres, parce que c'est sa part qui donne pour le Seigneur. Et maintenant, nous, quelle est notre part aujourd'hui que nous connaissons ça?
Donc c'est ça que, une manière de coder ce que ça veut dire. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Donc avant de passer à la question, avant d'aller dans la deuxième partie, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Il y a le jour et la nuit. Il y a l'homme et la femme. N'allez pas entendre les histoires de transgenres. Il y a le royaume de ténèbres, il y a le royaume de la lumière. Ou tu es du royaume de ténèbres, ou tu es du royaume de la lumière. Ne jouez pas. Que, comme le prophète a dit dans Josué chapitre 24, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou retournez là-bas et dit, quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont fait leur choix. Et quand tu fais ton choix, tu dois assumer. J'ai fait le choix de servir le Seigneur et avec ma vie et avec ma mort. Ne choisissez pas pour dandiner. Quand Élie s'est présenté avec le peuple, il a dit la même chose. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, servez Baal. Ça servirait à quoi? De dire qu'on est chrétien. On est chrétien. On est chrétien. Et en amont, c'est-à-dire qu'en cachette, on vit comme le mondain. Le mondain vit 120 à l'heure. Là, pendant qu'on partait tout à l'heure, vous voyez, jeune fille, avec, malgré le froid, là, elle est dehors avec les mères comme ça. Là. Je demande, celui-ci, elle sort d'où, elle va où? Mais tu vas entendre demain quand la viole ou bien comme ça. Elle cherche quoi dehors à minuit? Elle va comme ça chercher la vie parce que c'est la vie du dehors. Maintenant, quand elle fait ça, elle est totalement dans le royaume des ténèbres. Les attributs du ténèbre la coordonnent. Donc, elle fait les œuvres du ténèbre. Si elle va en enfer, elle ne regrettera pas parce qu'elle aura quand même fait la vie sur la terre. Toi, tu es au milieu chrétien, tu ne vas plus comme elle, mais finalement, vous finissez au même endroit. Ça servirait donc à quoi? Regarde quelqu'un très attentivement. Dit que si tu es parmi les saints, sanctifie-toi véritablement. Ne sois pas un chauve-souris. Si tu es saint, sois saint. Et grandis en sainteté. Si tu es des ténèbres, il faut bien ténébrer. Parce que les gens qui vont regretter plus tard là-bas en enfer, ce sont les gens qui appellent les gens Seigneur, Seigneur. On a vu ça ici. Les gens qui n'appellent pas Seigneur, Seigneur n'auront pas de problème. Ils disent, ça avait justice, c'est normal que nous nous trouvons ici parce qu'on a bien mangé. On a bien fait sur la terre. Donc, fais bien sur la terre. C'est pour ça que quand j'ai prêché, l'évangéliste disait que non, il ne faut pas faire comme ça. Tu fais du mal aux gens. Il dit non, il faut leur dire la vérité. Quand tu veux pécher, ne pêche pas. J'avais pris l'exemple parce qu'il y avait un garçon qui m'avait raconté qu'il était allé en cellule. Il y a un bandit qui l'a giflé en cellule. Et mais le bandit t'avait giflé en cellule, pourquoi? Il dit qu'on l'a amené en la même cellule parce que lui, il avait volé le poussin. On l'a attrapé au quartier, il avait volé le poussin de quelqu'un. C'est pour ça qu'il allait en cellule. Il vient trouver, maintenant, vous savez, quand on entre dans celui, il y a le chef de cellule. Le bandit, le chef était quelque part là-bas. Quand tu entres, tu ne t'assois pas, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Tu t'assois, on te gifle bien. Il dit, petit, viens ici. Il y a le commandant de bord. Il dit, tu as fait quoi? En celui-là, il se raconte tout. Il dit, j'ai volé le poulet. Il a giflé, bam! Il dit, c'est toi qui suis métier? Il dit, j'ai tué, j'ai volé les comptes en banque, j'ai volé l'argent. Je viens ici, je viens au même endroit. Un poulet, tu viens ici à cause du poulet. Il tape encore, il tape. Vous comprenez cela? Donc, ne va pas en enfer à cause du vol du poulet. Il ne faut pas que tu finis en enfer à cause du vol du poulet, alors que tu vas te retrouver dans le même cellule que quelqu'un qui a volé 200 milliards. Si tu choisis d'être volé, vole bien. Pour que quand tu vas aller, tu ne regrettes pas. Il y a des gens qui volent de l'argent. On sait que c'est lui qui a volé. Lui-même sait que c'est lui qui a volé. Vous dites 20 ans, il dit que ça ne fait rien. Il ne donne pas là l'argent là. Parce qu'il sait où il a caché ça. Vous comprenez cela? Vous ne pouvez pas le tuer parce que vous tuez, l'argent va périr là-bas. Quand il est en prison, il envoie l'argent, on prend l'argent un peu, il mange. Mais tu vas aller à cause du poulet, frère. Donc si tu veux pêcher, pêche bien. Ne pêche pas en cachette. Et si tu pêches en cachette et tu veux arrêter, il faut arrêter. Il y a la grâce pour arrêter. Amen. Donc il est temps de choisir son camp et de choisir son itinéraire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, mon frère, tu voulais parler? Par rapport à ce que tu viens de dire, moi j'ai une image que j'utilise souvent avec les gens. Je leur dis, les superstars américaines. Oui. Qui sont multimilliardaires. Oui. Pêche bien. Mm-hmm. Et puis toi, on ne te connaît pas ici en Afrique. Tu fais aussi comme eux comme toi, ça. Au quartier, tout ça.
tu vas te retrouver un jour dans le même endroit que. Mais il y avait quelqu'un qui m'avait dit, frère, je ne l'aimerais pas là-bas parce qu'il va voir Michael Jackson, Madonna et autres. Parce qu'il dit que quoi qu'il y aura au concert là-bas. Donc, tu comprends qu'il y a des gens qui ont des pensées tordues. Lui, il me disait qu'il aimerait aller en enfer. Il dit pourquoi? Tu imagines que tu en es prêché à quelqu'un qui dit qu'il veut aller en enfer. Il dit pourquoi? Il dit que, il dit qu'il est déjà resté là, réfléchi. Il dit mince. Il y aura le concert là-bas, il va à Michael Jackson. Il dit à la même cité ceux qui seront là-bas. Michael Jackson, il dit que c'est ceux qui vont danser là-bas. Donc, il pense qu'en enfer, on danse le concert. Et quand tu lui dis ça, qu'est-ce qu'il dit, mon frère? Non, en fait, il commence à réaliser. Mm-hmm. Il réalise, mais c'est vrai. Mm-hmm. Mais ceux-là, ils ont bien vendu leur âme. Mm-hmm. À l'ennemi là. Mm-hmm. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu broutes 100 000 ici. Et tu vas finir en même temps. Donc, il faut que chacun choisisse son camp, n'est-ce pas? Parle donc au Seigneur. Parle 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 au Seigneur. Parlez au Seigneur dans cette première session. Parlez-lui. 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 Je ne veux plus jamais avoir de parole de Dieu.